Pour moi, c'est une espèce d'évidence. Toutes les entreprises, toutes les organisations sont structurées autour de processus. Souvent, les ERP vous permettent de gérer 50-75% de vos processus d'entreprise et de votre système d'information. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des applicatifs périphériques. Et le BPM va être l'un de ces périphériques, bien souvent, qui va permettre de compléter les trous laissés par l'ERP ou par d'autres applicatifs. Et surtout de fluidifier ces processus. Ça apporte énormément aux entreprises. C'est assez méconnu, et pourtant ça fait quand même quelques années que ça existe maintenant. Encore une fois, je pense que le gain de ces solutions BPM, orientées process, est énorme par rapport à d'autres applicatifs, souvent des verticaux, qui sont plus rigides, qui demande à l'entreprise de s'adapter à la solution, et c'est pas la solution qui s'adapte à l'entreprise. C'est un peu un paradigme inverse quand on parle de BPM. On va avoir souvent, je prends l'image de la pâte à modeler, c'est une solution un peu pâte à modeler qui va bien s'adapter aux besoins de l'entreprise.